Loulou Jeddah est connecté avec le cosmos, dessine pour vous les prévisions climatiques 2015. Alors qu'une dépression s'abat sur tout le territoire et que les États profitent du brouillard onusien pour geler les négociations de la COP, un vent de changement alternatif et citoyen l'emportera. Cet été, sur un vélo 4 places, de grandes et grandes duduches, mettront en lumière les alternatives au changement climatique sur 180 étapes. Partout ailleurs, on vous attend pour faire monter la pression. Top départ à Bayonne le 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Notre vélo 4 places, poussé par la masse d'air du golfe de Gascogne, surfera sur les flancs printaniers des Pyrénées. À la Saint-Jean, la Corse et la bonne mère de Marseille donneront leur coup de pouce pour le climat sous la forme d'un effet le feu qui propulsera nos cyclistes en lanceuse sur le pont d'Avignon. En juillet, convergence des flux. Alternativa, ambiance sur les routes. Alors que le Mistral gagnant prendra le relais dans le couloir rhodanien, notre peloton regonflé à bloc par son passage à Roibon entamera son ascension des Alpes. Bravo, on fonctionne au mental. Inspirés par l'anticyclone continental, nos cyclistes mouilleront le maillot sous les grosses chaleurs alternatives en Allemagne, Luxembourg et Belgique. Si cette scène couple tandem au zénith me sur... Seul nuage de Tchernobyl étape dans nos capitales européennes où la transition écologique pédale dans la choucroute. Au début du mois d'août, nos duduches retrouveront le Nord solidaire. Et regonfler une citoyenneté qui fait grisouine. En Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Nos duduches passeront donc entre les gouttes. Un début de septembre en vigilance orange. Négociation compliquée du virage de la transition. Risque d'accident sur la centrale du Blayais. Ah ah, heureusement, hein, poussé par la masse d'air chargée d'amour aquitain, hein, nos cyclistes dépasseront les fausses solutions. Oh oui, dans la dernière ligne droite, la pression monte. Nos cyclistes la